batailler, combien de fois à marcher sans s'attendre. On s'est perdu plus d'une fois, se retrouver, se pardonner et tout recommencer. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine où on va préparer des donuts. Donc, pour les ingrédients, il va nous falloir 150 ml de lait tiède. Il va nous falloir 75 g d'huile. Il va nous falloir 2 œufs, 50 g de beurre et 75 g de sucre. Ensuite, de la levure de boulanger, une grosse cuillère de levure de boulanger, du sucre vanillé et de la farine. Et la levure chimique. Tu l'as pas dit. Ok, bon. Et pour le matériel, on va avoir besoin d'un bol. Tout d'abord, on va commencer par le lait. Le lait. Donc, on verse le lait dans un. Voilà. Et on le verse. Appuie, vas-y, c'est pas grave, continue. Voilà. Avançons sans attendre, sans contrainte et sans chaîne. Espérons le meilleur, sans rien retenir. Allons à 100 à l'heure, faisons notre bonheur. C'est bon, cette première partie, on va laisser cette préparation comme ça. 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la levure fait son travail, donc le liquide va un petit peu doubler de volume. Après, on se voit tout à l'heure pour le reste des ingrédients. Combien de fois à parler sans se croire, on s'est épuisé plus d'une fois. Oublier tout ce qu'on a fait, se laisser de côté, cultiver l'art du compromis, mais oser se le dire. Ils sont le temps de nous apprendre ce qu'on fait de nos peines. Avançons sans attendre, sans contrainte et sans chaîne. Espérons le meilleur, sans rien retenir.
Voilà. C'est bon, ma pâte est prête. Elle est vraiment, elle n'est pas dure. Elle est facile à travailler. Et elle n'est pas collante en même temps. C'est ça, une vraie pâte à deux noeuds qu'on doit obtenir. Je la mets dans un récipient. Comme ça. Je ferme. Et je la laisse reposer combien de temps? 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il double de volume. A tout à l'heure. Voilà, c'est bon, la pâte à donuts a bien, regardez, triplé de volume. Voilà, vraiment, c'est une pâte bien réussie en fait, voilà. Je prends un petit peu de farine pour le plan de travail. Et je vais la étaler sur mon plan de travail. Voilà. Toujours à l'aide d'un peu de farine. Et voilà. Là, je vais ramener un papier cuisson. Un papier cuisson. Des voix de l'eau alors qu'il y a le tari. On les récèle, elle y a Moria. Il y a le redman. Papier cuisson. La pâte, là, je vais la couper en deux. Juste pour faciliter le travail, en fait. Voilà. Le papier l'emporte-pièce ou bien le cercle, hop, et le petit. Voyez, là je commence à étaler mes donuts, mais il faut pas que ce sera très très fin en fait. Mais qu'on nous cherche pas, d'accord. Voilà, la première fois les donuts qu'on a une deuxième fois. Là, je connais des papiers cuissons, mais ça me donne la cadjini, ça me fait le la diète, ça me fait la technique. Je suis des astuces, je suis déroulé à la maison, je suis déroulé à la maison, je suis déroulé à la maison, je suis déroulé à la maison. Voilà, je suis là. Je suis là, 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 je 2 mm hack là. Voilà. 2 mm d'épaisseur hack là. Ça y est. Donc, je vais vous donner les ouvrières que vous avez mis avec vous. Je vais vous donner un plateau. 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 Voilà. واحد السربيته باش غادي نغطي من بعد. المهم غادي نبدا في لي سيركل ديالي ديال لي دونوت. هكدا 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 عادي جو فورمي دونوت. ما جيم بيان لي دونوت بوتي كوم سا صغيورين ماشي صغار. هادو راه مويان تبارك تبارك راه مازال غادي تزادو في الفران في الزيت. تقدروا على فكره تقدروا ديروهم حتى في الفران كيجيو تما زوينين غير هما ماشي نفس اللذه ونفس الهشاشه اللي كيكونوا ديال الزيت. وهذا عاد نقطع به هذا السحك الوسطاني هكذا. فوالا صافي نحيدهم هكا. والغرض ديال هادو هما اللي غنحيدهم من البابي كويسون كنحطهم فوق هادشي كيبان كلشي. فوالا غنحطهم فوالا هكذا نحطو هنا. جو لو ديسبوز سور البابي كويسون كوم سا. Et je le mets sur le plateau comme ça. Pourquoi? Une fois, il va encore, parce qu'il va encore pousser une deuxième fois. Ils vont pousser, doubler de volume. Moi, je ne veux pas les déformer en fait. Si je les prends à la main comme ça, ils vont se déformer. Moi, je veux garder la forme. Du coup, c'est pour ça que j'utilise le papier cuisson comme ça. Et je vais les faire frire avec papier cuisson.
Et je vais vous montrer comment la petite astuce. Pour les gens qui ne connaissent pas, bien sûr, cette astuce, c'est la même chose. C'est la même chose. On va continuer comme ça. Les donuts sont les mêmes. On va voilà. On s'est demandé comment on a bataillé, combien de fois à marcher sans s'attendre. On s'est perdu plus d'une fois, se retrouver, se pardonner et tout recommencer. Se mentir et se contredire, mais oser se le dire, les sons. انا ساليت الكميه كلها ديال العجين اللي عندي كيلو ديال كما قلت لكم خرجت لي هذه الكميه ديال لي دونوت راني خليتهم كيخمروا دابا حطهم في شي بلاطو نخليهم يخمروا دوزيام فوا هذه فوالا نخليهم يرتاحوا واحد عندي الكوزينه سخونه دونك واحد ان كاردور غادي يكونوا واجدين وهادو لي بينيه اللي غادي نعمرهم من بعد فوالا لا سي بون جي فيني لا كونتيتي دو لا بات كو جي في. Je vais la laisser reposer, on va dire, là j'ai fait très très chaud dans ma cuisine, là je vais la laisser on va dire un quart d'heure, 10 minutes. Ils vont juste doubler le volume et on va commencer la friture. Bon voilà, les donuts d'Ali, c'est bon, mes donuts ils sont prêts, ils ont gonflé, ils ont doublé le volume, je vais vous montrer. Hop, voilà c'est bon. Là je passe tout de suite à la friture, un bain d'huile, bien chaud. Ah ouais, notre serein bien, on va dire madame Hakon. Les donuts d'ielle. Je vais vous montrer la façon. De toute façon, il me faut une assiette bien plat avec des papilles sopalin. Et là, je peux commencer ma cuisson tranquillement. Je vais vous montrer le donut d'ielle qui est en faire ça avec un hidou à la papille. C'est la tariqa, c'est la. Allez, fikrana hado. Hadou. تنحتفظ بهم واحد المده ديال ملي كنستعملهم 3 4 مرات صافي عاد كنربيهم دابا هادو غادي نحطهم في بابي سوبانا ينشفوا يستقطروا هذاك الزيت ديالهم وعاد نستعملهم مره اخرى ما كاين حتى شي مشكل. غادي نقلي لي دونوت ديالي ترانكيلمون ونتلاقاو من بعد. Voilà, on a comme les donuts, sinon on te fait la haute, on te fait le on a comme les donuts d'y aller, je trouve que je vais خفيف. On a regardé un peu comme je suis de hack de tabac, mais on dit la finition. On a comme je suis de hack, on te met un قطن من الداخل نحيد الفلاش باش تشوفوا مزيان. هانتوما كيجي مقطن وخفيف وما شاربش الزيت نهائيا. Vraiment une texture moelleuse, vraiment léger. Et le plus important, c'est qu'il n'absorbe pas du tout l'huile. Vraiment. Voilà, on a un bad massalit à d'actriab d'yali de nos d'yali. C'est bon, c'est fait, c'est cuit. Là, je vais passer au glaçage ou bien à la décoration, on va dire. Là, j'ai du chocolat blanc que j'ai fait fondre en micro-ondes, que j'ai partagé sur trois bols. Et j'ai rajouté des colorants. Pour les gens qui me demandent quoi comme colorant, c'est ceux-là. Le colorant liquide, jaune, bleu et rose. Et j'ai laissé un blanc comme ça, d'accord. Là, j'ai une petite... Alors là, j'ai une tablette de chocolat noisette. Noisette entière, voilà, comme ça. Que j'ai fait fondre aussi au micro-ondes. D'accord. Après, la décoration, ça reste selon vos goûts, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Des petites confettis, des petits bonbons comme ça pour la décoration. Sucre. Les petits bonbons aussi, pareil d'action, ceux-là. Et un petit peu de chocobon. Pour, voilà, côté plaisir des enfants qui n'aiment pas ça.
Alors là, je vais commencer mon glaçage. Je vais d'abord commencer parce que ça, il faut que je les passe. Le temps que je prépare la préparation, tout ça, c'est figé. Je vais le passer un petit peu au micro-ondes. Là, je prends juste mon chocolat blanc. Je passe en deux notes comme ça. Bien, bien, bien. Voilà. Je mets dans une cuissette. Tac, da. Et je décore avec ce que vous voulez. Moi, je vais faire, je vais utiliser cela. Le donut classique, voilà. Les enfants, ils vont être contents. Voilà. Voilà. Je la pose là-bas. Je continue comme ça la décoration et on se voit tout à l'heure. من بعد ما ساليت لي دونوت ديالي درت اشكال مختلفه فوالا كل شكل مختلف على الاخر غير باش نتفننوا في الاذواق وما عرفتي الدراري كي انا راه دايره كل لون دايره فيه ثلاثه باش ما تكونش دبزه فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالي دونوت ديالي غادي نفيني دابا غادي نعمر لي بيني بشوكولا نوتيلا غادي نديرهم في السكر ونتلاقاو من بعد دابا جو في اتاكي لي بيني انا جو في ميتيتو فيرتور لا افيك ان كوتو ابري جو برون لو شوكولا تارتيني اون كويير الي اوني غورمون سويون فو اي جو فو ا لانتيريور كوم سا جو فيرم اي جو باس دون لو سوكر فوالا فوالا مي بتي بيني et je le dispose et je continue comme ça. Oh, bravo les nawa comme ça. On a besoin de faire du chocolat tartiné. On va mettre un peu de la confiture de les fruits rouges, non? Et on va mettre ça dans la glace à faire. C'est tout. Ou on a besoin de dire avec la poche les quatre dire hakka. كنشدها وكنثقب هكا وكنعمرها مي ما كاينلاش غادا غير ديال الدار ماشي ديال الدراري هانتوما وخفاف صراحه راه لي بيني جو خفاف صافي كنفتح فتيحه بالجن كندير شي شويه ديال المره ندير لابغيكو وانتوما على حسب اللي بغيتو كاين اللي تيعمرها حتى راه ديجا درتهم بلا كريم ديال سيترون هذه تجيو روعه لا كريمو سيترون وبلا كريم باتيسير كيجيو مزيانين بزاف وكيجيو هما غير خصهم يعمروا مزيان لا كريم باتيسير كتعضوا حتى كتخرج لا كريم باتيسير من الجناب ايوا انا الدراري تندير غير داكشي اللي كيعجب الدراري ديالي انايا ولادي كيعجبهم نوتيلا ولا الشوكولا تارتيني نيمبورت كو شوكولا تارتيني صافي هذه هي الفيديو ديال اليوم غوتي ديالنا خفيف خفيف ظريف لا ما خفيف ما ظريف غوتي ديالنا كله كالوري قسمت معكم لا فيديو ديال اليوم نخليكم دابا نوريكم الشكل النهائي في الطبيسي الزويون وداكشي خليكم معايا Et voilà le résultat final de mes donuts d'aujourd'hui. Les enfants, ils vont se régaler. Voilà, on a obtenu toute cette quantité. Là, c'est des beignets. Heureusement que j'avais fait moitié-moitié, sinon qui va manger tout ça? Mais voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et vous allez les essayer chez vous. Les donuts, ils sont trop bien. Attendez, je vais vous couper quelques-uns. Voilà, voilà, je vais commencer par une beignet. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Voilà. Mais vraiment léger, léger, léger. C'est trop bien réussi. Une donut, mes préférées, c'est au chocolat noir. À la noisette. Voilà. Trop bien fait. Et magnifique. Juste un délice. Vraiment, je vous conseille de les tester chez vous. Je vous souhaite une agréable journée. Et à très vite. Au revoir. Salam alaikum. Telle vidéo akhor, inshallah. Forcé combien de fois à parler sans se croire. On s'est épuisé plus d'une fois. Oublie tout ce